Au regard de l'impopularité des candidats actuels à la présidentielle, nous avons la ferme certitude que 2023 sera pour nous une simple formalité des reconductions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat de 5 ans. Voici les difficultés que rencontre le candidat cadavre. Joseph Kabila, inéligible et impopulaire. Martin Fayoulou, impopulaire et manque de sponsors. Moïse Katumbi, des nationalités zambiennes. À part l'incapacité de lire correctement, il a aussi une impopularité avérée. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu en 2023. Et en 2028, la population fera pression pour qu'il fasse un troisième mandat. Sans débat, l'œil du chef.